Ali, toi tu ne vas jamais changer. Tout ça c'est pour séduire ma petite fille Jamila. Madame, jolie comme elle est, qu'est-ce que je ne ferai pas pour la conquérir? Eh, toi aussi. Tu veux ma fille et puis tu veux que je paye ton eau? Ah non, 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 faut pas mélanger les choses, madame. Il me faut beaucoup d'argent pour construire un palais pour elle. N'est-ce pas, Jamila? Voilà. Calme-toi. On va trouver une solution. Oh, s'il te plaît, arrête ta cigarette. L'air devient irrespirable. Tu sais quoi? Je vais y aller. Jamais! Alors, pourquoi tu n'y vas pas, toi-même? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans tout ça? Tu sais que je suis presque en faillite. Que j'ai hypothéqué notre maison. Toi ou moi à la télé. Les créanciers et les parasites vont nous envahir. Oh, doucement, doucement. De toute façon, il faut bien que quelqu'un y aille. Salut! Bonjour! Bonjour. Les jolies señoritas! Oh, s'il vous plaît. Dis, Pauline, je voudrais t'inviter ce soir au vidéoclub. Il y a le dernier de Django qui est programmé. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, je te rappelle que tu m'as promis un portable que j'attends toujours. Tu as raison, mais je suis en train de rassembler les sous. Hé, hey, c'est bon, laisse-nous travailler. Et puis, je ne veux te voir qu'avec mon portable à main. C'est tout ce que tu as pu avoir. Mais si ça continue ainsi, je serai obligé de fermer le vidéoclub. Patron, je fais de mon mieux. Et puis c'est tant si les gens ne viennent plus. Je t'ai prévenu en tout cas. À propos, je voudrais quelqu'un de confiance pour nous confier un petit job. Patron, il y a moi. Toi, tu crois que je ne sais pas que tu voles mon argent? Ah bah patron, pourquoi vous parlez comme ça? Qui est ce zozo là? C'est quoi cette manière? Excuse-moi, mon cher ami. Je vais te parler. Tu sais, tu es un garçon bien, sérieux, travailleur. C'est pour ça que je veux te voir. Moi, je ne vous connais pas. Mais ce n'est pas grave. Moi, je te connais. C'est l'essentiel. Je vais te rendre riche. Très riche et célèbre. Tu ne pousseras plus jamais de barrique.
La direction générale de l'Auto-Bonheur est très heureuse de vous avoir à ses côtés pour la remise d'un gros lot d'une valeur de 20 millions de francs CFA. J'invite donc le DG de l'Auto-Bonheur à venir remettre le gain sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est un heureux événement qui nous réunit ce soir. Monsieur le directeur général, l'Auto-Bonheur encore fait un heureux gagnant qui empoche donc la somme de 20 millions de francs CFA ce soir même. J'en suis très heureux. En tout cas, Monsieur Ouedraogo Ali, toutes mes félicitations. Merci. Et j'espère que vous ferez bon usage des 20 millions que vous venez de gagner grâce à l'Auto-Bonheur. Oui. OK. Alors, voilà vos 20 millions. Les 20 millions de francs CFA, donc, que Monsieur Ali Ouedraogo reçoit des mains du DG de l'Auto-Bonheur. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Ali Ouedraogo, qui est aujourd'hui millionnaire grâce à l'Auto-Bonheur. Monsieur le DG de l'Auto-Bonheur, on va vous dire merci en tout cas. Merci. Merci. Avec des applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Ali, oui. Tu viens là d'avoir 20 millions de francs CFA. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Je vais acheter un téléphone portable pour une personne que j'aime bien. Il va payer un téléphone portable pour une personne que j'aime bien. Sacré Ali, vêtu de cow-boy en tout cas pour empocher ces 20 millions de francs CFA. 20 millions! Si je pouvais être à sa place. Ben, on est sauvé? Oui. Monsieur Ouedraogo, pour votre sécurité, tous les gagnants de l'Auto-Bonheur versent directement leur argent dans un compte qui leur est ouvert. Non, ce n'est pas possible. Je garde. Monsieur Ouedraogo, c'est pour votre sécurité. Non. Ici, c'est comme ça. Toutes mes félicitations, Monsieur Ouedraogo. Merci. Pourrais-je avoir votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Merci. Mais où est mon argent? Voilà l'argent. C'est ça qu'ils m'ont remis. Imbécile! C'est pas de ça qu'on avait convenu? Ça, c'est un chéquier. Mais est-ce que moi, je connais? Ils ont dit que c'est comme ça ici. Et messieurs, c'est ce que vous m'aviez promis. Va te faire foutre! Non, donnez-moi ce que vous m'aviez promis. Monsieur, donnez-moi ce que vous m'avez promis. Tiens, mène-moi. Hé, ça veut dire quoi? C'est moi qui commande ici. Voilà. C'est quoi? Laisse, voilà. C'est quoi, même? Ça veut dire quoi? C'est quelle manière? Hé, Ali! Tu te fous déjà ou quoi? Tu gagnes des millions et tu continues de pousser ta barrique. Et toi, hein? Tu ne me provoques pas. Hein? Tu fais ton travail. Ali, mais c'est vrai. Tu as gagné 20 millions. On t'a vu la nuit à la télé. Ah bon? Ali a eu 20 millions? Mmh. Comment vas-tu faire maintenant? C'est à son nom. Quel salaud. S'il n'avait pas mis l'argent dans ce maudit compte. C'est quoi? Je vous assure que c'est la vérité. Ali, c'est bon. Tu crois que tu peux nous faire avaler tout ça? Dis simplement que tu ne veux pas nous aider. Écoute, Ali. Moi, je crois que tu as monté cette histoire à faire dormir debout juste pour bouffer ton argent tout seul. Pourquoi c'est pas correct avec les potes. Je vous assure, le chèque, la banque... C'est bon, on a compris. Garde ton argent. Ali. Ali, ouvre. C'est moi, Yuba.
Tonton Yuva, ouvre. J'espère qu'il n'a pas déjà déménagé. Ali. Ali. Dieu et les membres du village ont exaucé nos prières. Asseyons-nous, Ali. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien. Et tes activités? Ça va. La santé? Ça va bien. Ali, en réalité, il me faut de l'argent pour repartir en Côte d'Ivoire. J'ai ma plantation là-bas et mes loyers à récupérer. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent. Ali, tu n'as pas pitié de moi. Regarde ma femme et mes enfants. Oh. Qui est celle-là? Et vous, qui êtes-vous? Billy, je suis heureuse parce que tu vas ouvrir un salon de coiffure pour moi. Et on va déménager de ce foutu quartier. Ensuite, on va se marier. Mon neveu sort. La famille doit se voir. Encore lui. Laisse ce faux type. Il ne veut que ton argent. Ta famille, c'est moi. C'est mon oncle. Il faut que j'y aille. J'arrive. Mon neveu, il faut agir rapidement. Je dois repartir. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Ah, Ali. Ali, mon cher Ali. On va trouver un terrain d'entente. Voilà. J'ai 50 000 francs déjà pour toi ici, comme avance, en attendant. Et là, j'ai déjà rempli le chèque. Il ne te reste plus qu'à signer. Moi, je vais chercher l'argent et je viens te donner le reste. Pas question. Ce n'est même pas suffisant pour satisfaire les besoins de Pauline. Tu sais, mon ami, une femme, il ne faut jamais la satisfaire totalement. Sinon, elle t'échappe. Je ne veux rien savoir. Tu me donnes la moitié de 20 millions ou rien. Tu donnais quoi? La moitié de 20 millions ou rien. Tu es malade? D'ailleurs, tu n'auras rien. Et tant pis pour toi. Tu crois que moi, Ali, je suis bête? Si tu es revenu, c'est parce que tu ne peux pas toucher l'argent sans moi. Je n'ai rien. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Félicitations, mon fils, pour ta chance. Je suis El Hadj Salam, dit confiance. Je sais que vous, les jeunes, quand vous gagnez un peu d'argent, vous le dépensez un peu au hasard. Alors, je viens te faire de bonnes propositions. Ah oui? Oui. Quel genre de proposition? Voilà, j'ai dans mon magasin des motos dernier modèle. Comme vous les aimez, vous les jeunes, je vais te faire un bon prix. Merci, Lagui, mais ça ne m'intéresse pas. Comment ça? Et d'ailleurs, je n'ai pas d'argent. Oh, ne t'en fais pas pour l'argent. Je te fais confiance. Viens prendre la moto et d'autres marchandises, si tu veux. Et quand tu auras ton argent, tu me payeras. C'est d'accord, Lagui. Ah, on va passer. Très bien. Et puis, arrête de pousser la barrique maintenant.
Tu es un homme riche maintenant, non? Hein? Allez, va. Je vous attends là. Lagi. Oui. Je suis l'oncle de Ali. Ah. Il faut qu'on se voit. Ah bon. Désolé, monsieur Traoré. On ne peut pas vous payer sans la signature du propriétaire du compte. Mais monsieur, puisque je vous dis que c'est mon argent, Ali n'a fait que me le présenter. Je vous comprends, monsieur. Mais la banque a ses règles. On ne peut pas y déroger. Le monsieur, on peut s'entendre. 5% de la somme, ça vous va? Monsieur Traoré, je ne mange pas à cette sauce. C'est bon. Vous voulez plus? 10% alors. Dehors, monsieur. Calmez-vous, monsieur, on va s'entendre. Je vous dis, dehors. Tu mourras pauvre dans ce pays-là. Merci, Ali. Il est vraiment bon. Ce n'est rien, ça. Je te ferai encore plus de cadeaux. Si tu es gentil avec moi. Bien sûr que je serai gentil avec toi. Attends, je vais te prendre une pause. Regarde. Ah, c'est pas vous. Tu sais, Ali, il faut que tu chasses son nom. Avec les marchandises qu'on est en train de lui livrer, il va nous ruiner. Assalamu alaikum. Lagi, bonjour. J'ai tout reçu. Vous êtes un homme bien. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais maintenant, il faut me payer. L'échéance est arrivée. Ils sont dedans. Allez-y. Oh. Ah. Oui. Ali est là. Je veux mon argent. La semaine est arrivée. Ali dort. Il passera vous payer après. Ah. Mais c'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Lagi, mon neveu tient toujours parole. Il viendra vous payer. Ali a des millions. Et c'est même passé à la télé. Tu l'as pas vu, non? Ali, mon neveu, il me faut de l'argent pour le transport. J'ai négocié à la gare en vain. Je n'ai pas d'argent pour toi. Quoi? D'ailleurs, il faut que tu retournes le matériel de Lagi. Quoi? Ouais. Voilà. Mon cher Ali, il est encore temps pour toi d'éviter la prison. Signe-moi un chèque et on n'en parle plus. Oui, mais Lagi, je n'ai même pas de chéquier. Atsafoulaye. Monsieur l'inspecteur, vous voyez, il se fout de nous. Non. Embarquez-le. Au nom de la loi, on t'arrête. Bien. Suis-nous, au commissariat. Lui aussi, il a pris mes marchandises. Ah. Oui. Moi? Oui. Si ce sont tes marchandises-là, je te les rends. Elles sont à la gare. Je cours les chercher. Ah. Allez, accompagne-le. Vas-y. Je t'en vais dire. Hé, bon ami. Oh non, bouge. Voilà. Pauline! S'il te plaît, explique-leur, Pauline. Toi aussi, suis-nous. Moi, je ne suis au courant de rien. Bon, allez, mène-toi là, vas-y. Allez, allez, on y va. Allez, vas-y. Accélère. Vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle? N'arrêtez Ali. Hein? Al-Kazemaye. C'est pas vrai. Et les millions qu'il a gagné? Les millions? Il paraît que ce n'est pas lui qui a gagné. S'il était resté ici avec nous, on n'allait pas le mettre en prison. C'est bien fait pour lui. À vouloir aller trop vite,
On se casse toujours la gueule. Tout même quand tu ne parlez pas ainsi, vous aussi. Pardon, hein, pardon, oui. C'est pas vrai. Le compte est bon. Et tu peux dire merci à M. Traoré qui a payé tous tes crédits. Tu es libre. Agent, remets-lui ses habits. À vos ordres. On y va. Allez, c'est quoi? En tout cas, merci beaucoup. Okay. Merci. Merci, M. l'inspecteur. À la bonne journée. Inch'Allah. Agent. Oui, inspecteur. Convoque tous ses créanciers pour qu'ils viennent prendre leur argent. On vous aide, mon inspecteur. Monsieur Claude. Oui. J'ai réfléchi en cours de route. Je voudrais 25% et je laisse tomber l'argent que je t'ai passé pour payer les crédits du petit. Comment ça, Lali? Hein? Mais tu ne peux pas me faire ça. Oh, 25%. On s'est entendu sur 10%. Une entente est une entente. Oh, Monsieur Claude. Quand même, en tant qu'homme de Dieu. Oh, laisse tomber Dieu. Laisse tomber Dieu. J'ai changé d'avis. 25%, où j'ai dit au petit de ne pas signer. Ok. D'accord. Inch'Allah. Vivement qu'on finisse avec cette histoire. C'est bon, mon fils. Tu peux signer. Désolé, mais je ne veux plus les 50% du magot. Comment ça? Je veux que M. Claude s'engage à construire 3 bornes fontaines pour tout le quartier. Hey. Salaud! Hey. Tu connais le prix d'une borne fontaine, M. Claude? Est-ce que tu connais? M. Claude? Non. Monsieur, laissez-moi être là, non, monsieur. Non. Salaud. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré. Calmez-vous. Calme-toi. Calme-toi et laisse-moi faire. Hein? C'est bon, monsieur. Merci. Okay. Merci. Allez. Calme-toi. Laisse-moi faire. Ce n'est pas bien là, mon fils, ce que tu fais. Le chantage, c'est du haram. C'est puni par Dieu. Accepte ce qu'il t'a promis. Ça, c'est de l'argent béni. En plus, je te laisse ma moto et tout le reste. Ok, 2 bornes fontaines. C'est à prendre ou je retourne en prison. Monsieur Claude, on fait comment? J'accepte. Mon fils, reviens. Il est d'accord. Tu peux signer. C'est bien, Monsieur Claude. C'est très bien. Ça y est. Allez-y à la caisse. Ma chérie, en attendant ton château, je t'offre cette fontaine. Ça te va ?